Allez, bienvenue sur la chaîne YouTube Média 40. Mettez des pouces en l'air sur cette vidéo. On vous propose un match de moins de 18 garçons départemental. Puisqu'on est à Cap-Breton, on prend la série de matchs qui se déroule dans cette salle Nelson Payou. Il y avait donc les moins de 18 F tout à l'heure, il y aura les plus de 16 F tout à l'heure. Pour les plus de 16 garçons, donc senior garçon, forfait de Biscarros. Mais Biscarros à moins de 18 qui est bien là. Et c'est parti, 0-0. Vous retrouverez les clichés sur la page Facebook Média 40 Handball. Allez, bon ballon d'interception. Allez, d'autorité, ouverture du score par les locaux, Cap-Breton, dans leur sol. On avait dit qu'on voulait mettre plus de handball sur la chaîne YouTube Média 40, donc on était invité déjà de longue date à cette soirée, bon, qui n'est pas la grande soirée qui était prévue ici à Cap-Breton, puisque la soirée partenaire a été reportée et les seniors garçons Biscarros ont fait forfait, donc il n'y a pas de match à 21h. Je pense que le prochain grand rendez-vous handball, en tout cas handball landais, ça risque d'être donc le derby chez les filles National 3. Tyros contre Stade Montois. Les deux équipes landaises de National 3. Les deux seules dans cette poule qui s'affronteront fin novembre, le 25 novembre. Les passages, vous le tapez. Hein. Pas trop fort. Il y a l'électronique dedans. On a mis donc la fin du match des moins de 18 F sur Facebook. Vous êtes sur l'enregistrement, mettez les pouces en l'air. Allez, cette vidéo, comme les autres, sera dans notre page, dans notre playlist, la playlist Handball Land sur la chaîne YouTube. Une playlist qui regroupe toutes les vidéos de handball qu'on a tournées. Ah, c'est passé derrière. 2-0 pour Cap-Breton. Alors, tout à l'heure, les filles de Cap-Breton avaient ouvert le score 1-0. Et puis plus rien pendant longtemps. Tyros qui s'est largement imposé en moins de 18 filles. Alors que c'est l'équipe 2 de Tyros. L'équipe 2 des moins de 18 de Tyros. Et là, c'est les moins de 18 garçons. Ah, alors.
3-1. Déjà 4 minutes 20 de jouer dans cette première mi-temps. Ça va faire un beau toucher, ça. Ça va être récupéré par Biscarros. Les Roses Noirs de Norland, puisque c'est l'entente. Entente avec Mimizan, Norland. Quatre à deux pour les locaux. Plus 3 pour US Cap-Breton. Si vous êtes de Cap-Breton, sachez qu'on a aussi, on mettra en ligne aussi la cérémonie du 11 novembre de ce midi. Puisqu'on était à Cap-Breton, on est allé à la cérémonie de l'armistice, commémoration de la fin des combats de la Première Guerre mondiale. K2, toujours plus 3 pour Cap-Breton en jaune et bleu. Oui, c'est bien fait aussi. Ah, déjà par rapport aux filles, on voit beaucoup plus de tirs de belle adresse. Ça score beaucoup plus. 7 minutes de jouer dans cette première mi-temps. 5 à 3. Donc l'autre match qui est enregistré après, c'est les plus de 16F, donc on appelle aussi les seniors féminines. Ce sera Cap-Breton contre le SAS Saint-Sever. Qui défendent. Le tireur a été gêné, estime l'arbitre. Un jaune pour le jaune. Si j'ai bien vu. Jaune pour le jaune. Oh, il est rentré avec un rebond. Ah, une exclusion donc de 2 minutes pour le joueur de Cap-Breton. Pour le numéro 22 qui sort 2 minutes. Tirage de maillot, indique l'arbitre. Non, même pas.
Même pas. Il y a un mur, hein. La salle n'est pas assez grande, il veut passer à travers. Biscarros en rosé noir, les rosés noirs de Biscarros. Couleur du Biscarros olympique. C'est récupéré par Cabreton. Qui joue bien là, la contre-attaque. Et oui, et ça passe. Joli, 7 à 4. Neuf minutes 30 de jouer dans cette première mi-temps. Handball, ça va très vite, les mi-temps, c'est 30 minutes. Deux mi-temps de 30 minutes. Il reste 20 secondes pour l'exclusion du numéro 22 tout à l'heure de Cap-Breton. Il va rentrer d'ici 15 secondes. Jaunes ont pris la mesure du gardien de Biscarros. Pour l'instant, on n'arrive pas à arrêter. Les tirs proches du poteau. Allez, cette fois, contre-attaque des roses, il y va tous. Il est passé à côté. Il est passé à côté. 8 à 5. Eh oui. Neuf à 5. À nouveau les jaunes en contre-attaque. Ça va pas plaire monsieur l'arbitre. Les joueurs qui sont en extension, en hauteur. Et ça fait un jet de 7 mètres. Ouais, alors le gardien, il n'arrive pas à lire les trajectoires des tirs jaunes pour l'instant. 10 à 5. Un petit écart de creusé par Cap-Breton dans leur salle Nelson Payou. Interception, non. C'est finalement récupéré par les rosés noirs. Les jaunes prêts à jaillir, prêts à couper les trajectoires. C'est bien fait. Oh, joli. Joli, joli. 10 à 6, 13 minutes de jouer dans cette première mi-temps. Thank you.
récupéré par les jaunes, qui jouent vite, qui leur font perdre un peu la boussole. C'est passé, ça a tapé le poteau apparemment. C'est rendu au jaune. Gardien de Biscarros, il n'y est pas là. Ça passe pas. C'est la piscine. Ça joue vite, hein, côté jaune, ça marque. Ça part dans tous les sens. Qui creuse l'écart, 14-6, plus 8. Ah, c'est l'inverse de tout à l'heure, où c'est Tiros qui creusait un gros écart de plus en plus grand. Cette fois-ci, les Cap Bretonnais garçons, c'est eux qui creusent l'écart, 14-6, et ils arrêtent et ils marquent très vite derrière. Ça fait un sacré différentiel. J'ai pas vu. Est-ce qu'il a été repoussé? Il n'est pas sorti en tout cas. Ouais, il est dedans. Encore. Rendu au jaune. L'arbitre. Il a sifflé encore avant le but. Cette fois, ça y est, 14-7. Allez, on est rentré. Ah, il y a haut-parleur juste à côté. Donc je disais, on est rentré dans la 19e minute de jeu dans cette première mi-temps. Cap Breton 14, Biscarros 7. Ça combine bien côté jaune. Rendu au jaune. Voilà. 15-7.
Allez, défense. Allez, allez. Tir 16 à 7. Le ballon rendu à Biscarros. Perdu. Oh là 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 là. 2 minutes d'exclusion pour numéro 77, Biscarros. Biscarros en infériorité numérique et qui est largement mené. 10 points, 10 buts d'avance pour Cap-Breton à moins de 10 minutes de la mi-temps. Temps mort demandé par Biscarros. Fort sur les bancs de Biscarros. Allez, c'est reparti. Continue de parler fort sur le banc de Biscarros. Ça a été repoussé par la barre transversale. 17 à 7.
c'est à nouveau le numéro 77. Il ressort pour 2 minutes. À nouveau infériorité numérique pour Biscarros qui avait vraiment pas besoin de ça. Sans mener de 12 points par les jaunes. Deuxième chance cette fois, les roses l'ont mise 19 à 8. Ah, il reste un peu moins de 7 minutes à jouer avant la mi-temps. 20 à 8 plus 12. Une avance déjà confortable pour les locaux. Il a refait ses lacets. C'est une sacrée démonstration de Cap Breton. Les jaunes qui sont comme aimantés par le but adverse. Qui ont un très fort taux de réussite. Côté jaune. Ouh, il est rentré avec dedans. Il est rentré avec le ballon. Il reste 4 minutes avant la mi-temps. Allez, jette 7 mètres. Pour Biscarros. Allez. 21 à 9. Grosse avance pour Cap Breton face à Biscarros avec ses jeunes, c'est moins de 18. Ça passe pas.
à 9 pour Cap-Breton. Ah, ça tire à côté. Ça va être rendu quand même au Biscarrossi, au Nord-Landais. Beaucoup plus de mal à trouver le chemin des filets. Ça fuse côté jaune. Oh là 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 là, ils mettent pas longtemps à trouver la solution, à trouver la fenêtre de tir qui va bien. C'est bien fait. Départemental, c'est bien fait, moi je trouve. Très beau jeu des Cap-Bretonnais. 24-9, il reste 1 minute et quelques secondes avant la mi-temps. Tout, hein. Ils mettent presque tout. Beaucoup de réussite au tir. 25-9. Ah, il reste 30 secondes avant la mi-temps. Quasiment 3 fois plus de buts marqués par les jaunes. Et encore 10 secondes, 26-9, il reste 5 secondes, 3 secondes, et voilà, Biscarros qui a même pas pu inscrire le 10e but. Voilà, c'est la mi-temps ici. Dans la salle Nelson Payou à Cap-Breton, 26-9 pour les locaux. Comme c'est enregistré sur YouTube, on passe tout de suite à la seconde mi-temps. On va partir ici dans la salle Nelson Payou à Cap-Breton pour cette rencontre de moins 18 garçons où Cap-Breton a loupé très peu le cadre, arrêté beaucoup de tirs. Et le score parle de lui-même, 26-9 à la pause. Sur Facebook, vous allez suivre la deuxième mi-temps en direct. Et on enregistre le match pour le diffuser d'ici mardi sur notre chaîne YouTube en HD. Les jaunes très rapides pour trouver des solutions. Les noirs paraissent un peu trop empruntés. ...27-9... très très gros score des jaunes en première mi-temps. Allez, je vous rappelle, vous retrouverez les clichés demain sur notre Facebook Média 40 Handball. ...27-10... Allez, je parle dans les deux micros en même temps. On fait comme en basket quand le débit est pas suffisant pour envoyer en 720 sur YouTube, on envoie en 400 sur Facebook avec le smartphone qui est sur la caméra, fixé sur la caméra.
La caméra qui enregistre en HD et un petit smartphone qui diffuse en live. Un seul cadreur pour deux caméras. Suite à 10. Vingt-huit à onze. Pour ceux qui regardent. Ah, il y a Cédric. Bonjour Cédric. Eh ben, ils ont pris cher en première mi-temps. Les biscarrossés. Mais ça sera à regarder sur YouTube. Allez, 3 minutes de jouer dans cette deuxième mi-temps. 29 à 11. Rappel, on enregistre le match en HD, mais on vous fait vivre en plus faible résolution sur Facebook la deuxième mi-temps de cette rencontre de moins de 18 garçons entre Cap-Breton et Biscarrosse. C'est départemental, mais vous allez voir le niveau de Cap-Breton en première mi-temps, et s'il confirme en deuxième mi-temps, c'est un gros niveau pour Cap-Breton. Des 30 points, les 30 points franchis par Cap-Breton, 30 à 13. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas terrible sur Facebook, mais comme en basket, ça dépanne. Verrez proprement sur YouTube. Allez, 30 à 14. Plus 16 alors qu'on vient de passer les 5 minutes de jouer dans cette deuxième mi-temps. Cap-Breton en infériorité numérique, encore pour 1 minute 30. Allez, ah, Biscarrosse qui n'en profite pas. Mais il n'était pas cadré ce tir et il était arrêté. De rien. Et ben voilà, et Biscarrosse, s'ils se mettent à jouer comme ça, 31 à 15. Gardien crucifié, 32 à 15. Oui.
suis obligé de parler un peu fort à cause du smartphone, le son est pas bon. Alors. Ouais, c'est récupéré par les jaunes. Cap Breton. Sept minutes de jouer dans cette deuxième mi-temps, 33 à 15 en faveur des locaux. Oh là là. Oh, sur la barre ou le mur. Cap Breton, ça rentre presque à chaque coup. Je sais pas si on voit le score sur Facebook. C'est cadré large. Sur YouTube, je serre un peu de temps en temps. 34-16, 34-16. C'est bien récupéré par Biscarros. Oh, bien combiné. Oh, mais ça passe. Oh, tire pas cadré. C'est pas cadré. Biscarros essaye de faire un peu comme Cap Breton en première mi-temps. De foncer au but. En première mi-temps, Cap Breton était attiré par le but adverse. À 16, un total de 50 points marqués, 50 buts. On est déjà dans la 10e minute de cette deuxième mi-temps. Par-dessous, 34-17, 34-17. 34 à 17, donc deux fois plus de points marqués par Cap Breton. Un temps mort demandé. Alors, réunion chez Cap Breton. Je vous rappelle, vous retrouverez les clichés demain sur notre page Facebook Média 40 Handball. Ça passe pas, Gabon, ouais.
6 à 17. Allez, le temps file. On est dans la 12e minute de cette deuxième mi-temps. Biscarros qui joue mieux, mais alors il y avait un tel écart à la mi-temps, c'est beaucoup mieux là pour Biscarros. Oh bah là, c'est arrêté par le gardien des jaunes. 36-18, toujours deux fois plus de buts marqués par les locaux. Point marqué par Biscarros en 13 minutes. C'est plus que la première mi-temps. 9 buts seulement marqués en première mi-temps par les roses et noirs. Pour l'instant, il y a 11 à 10 depuis le début de la seconde période. C'est plus équilibré, mais Biscarros n'arrive pas à revenir assez vite. Ils font déjà jeu égal, quasiment 11 à 10 dans cette deuxième mi-temps. Mais il y avait 26 à 9 à la pause pour Cap-Breton. Il y a une énorme avance de quasiment 20 buts. Allez, 2 minutes. Breton en infériorité numérique, plus jet de 7 mètres. Oh, il est arrêté. Oh là là, bah Cap-Breton a des bons marqueurs, des bons buteurs et un bon gardien. À 19, toujours deux fois plus de points pour Cap-Breton. Biscarros arrive à marquer plus fréquemment, mais pas encore assez vite pour remonter son retard. Allez, on est rentré dans le dernier quart d'heure de ce match. 19 points de retard pour Biscarros. Même en mettant tout, en arrêtant tout, ça serait compliqué.
c'est à côté. 39 à 20. Pour la deuxième mi-temps du match des plus de 16 filles. Et tous ces matchs seront à retrouver sur notre chaîne YouTube, bien sûr, d'ici mardi, en intégralité, en HD. Ouais. Il est dedans. 21-21. Dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, 43-21. Un tir loupé, c'est assez rare chez les jaunes, qui récupère le ballon. Pas vu celui-là, j'ai pas vu.
44-22. Toujours le double. Avec mon petit écran, je ne voyais plus le ballon. À l'extérieur des cages. Oui, là, il est en plein dedans. Il reste 8 minutes à jouer. Ça file en handball. Ça file très vite. À 22. Ah, il reste un peu moins de 6 minutes à jouer dans cette rencontre de moins de 18 garçons. Il reste 5 minutes Thauron à jouer dans cette rencontre. 49-22, on est plus que le double. Le double de but pour les jaunes. Les jaunes qui de nouveau grandissent l'écart. Ah,
et peut-être un ballon pour franchir la barre des 50 points. Il reste 4 minutes à jouer. Ah, c'est encore dedans. Ça y est. La barre des 50 points est franchie. 50 à 23. C'est arrêté. Tourons 50 à 23. Il reste 1 minute 30. À 24 pour Cap-Breton. À 25, le double de points. Et jaune. Ah, c'est dedans. Et ça a été sifflé avant. Ah, il est dedans. Ah, il reste 10 secondes. 51-25. Victoire de Cap-Breton. Chez les moins de 18 garçons, 51 à 26. Alors sur Facebook à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps des plus de 16 filles.
Allez, d'ici mardi, tous ces trois matchs. Allez, les applaudissements pour le club breton. Allez, ouais. Alignement au complet. 51-26, bravo. Beaucoup de buts marqués.